C'est une histoire dont le cardinal Barbarin se serait sans doute bien passé. L'archevêque de Lyon vient de congédier l'un des prêtres de son diocèse, le très branché père David Gréa de la paroisse Lyon-Centre Sainte-Blandine, connu pour son côté moderne, peut-être un peu trop moderne. Il y a quelque temps, j'ai commencé à construire une relation avec une femme avec laquelle je pense que Dieu m'appelle à vivre, a-t-il écrit dans une lettre lue lors de la messe ce dimanche 19 février, relayée notamment par Le Progrès et le site du journal Le Parisien. Renoncer à la sexualité m'a longtemps effrayé, avait-il déjà déclaré dans La Croix il y a quelques mois. L'homme d'église, qui a rencontré l'amour en plus de celui de Dieu, a franchi un pas supplémentaire. J'ai souhaité être en vérité avec l'église en disant ma joie d'être prêtre et mon désir de me marier, explique à ses paroissiens le prêtre dont la proposition n'a pas vraiment séduit Monseigneur Barbarin. David Gréa a aussi pu rencontrer le pape François en tête-à-tête. La démarche de l'homme de 46 ans aurait été accueillie avec bienveillance, mais le cardinal Barbarin lui aurait demandé de prendre un temps de discernement et de recul. « C'est une tristesse pour moi de ne pas pouvoir terminer l'année avec vous, et j'imagine que vous la partagez », a-t-il confié à ceux à qui il s'adressait tous les dimanches.